Alors, tu as reçu de nombreux prix, notamment depuis 2004. Et là, donc, à 14 ans, prix de la meilleure danseuse. Peut-on nous dire quelle récompense t'as le plus marquée ou émue, ou celle que tu as préférée dans toutes ces années de danse? On va dire celle de l'année dernière, parce que ça a été une compétition très dure, dure au niveau de la pression psychologique, au niveau du travail qui a été fourni, et surtout au niveau de la qualité, hein, puisque tous les grands groupes étaient là et qu'il fallait être à la hauteur, aussi bien littérairement avec le thème, artistiquement avec toute la chorégraphie, et puis surtout avec, on va dire, la gestuelle en général. Alors, là, ce sont un peu tes maîtres. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un mot, quel regard tu portes sur ces chorégraphes et un mot sur ces dames? Alors, en fait, ce sont trois femmes qui ont énormément compté au démarrage un peu du groupe de Tumata Robinson. Hein, à savoir que Tumata a été celle qui m'a en fait enseigné la danse, hein, à la base. Linda Latina Sami a été celle qui m'a chapeautée et d'ailleurs toujours couvée, hein, protégée de toute l'animosité culturelle qu'il y avait autour et qui aujourd'hui est la marraine de ma fille aînée. Et Margaret Lai, qui aujourd'hui est la chef du groupe Haute-Métier, a été celle qui m'a donné la possibilité d'être chorégraphe. Et finalement, ces trois femmes ont beaucoup compté dans la première période de ma vie au niveau de la danse. Et c'est celles qui m'ont quelque part ouvert la voie, hein, vers justement la participation au sein d'un groupe, le fait de voyager avec elles, le fait d'échanger avec elles des choses de la vie quotidienne, puisque j'ai participé beaucoup au spectacle avec ma maman qui m'accompagnait. Mais au-delà de ça, j'ai participé beaucoup aussi dans leur vie personnelle, hein, donc j'étais invitée avec la famille. Donc il y avait vraiment une convivialité, une chaleur humaine et un très grand amour qui m'ont été donnés par ces trois dames. Et aujourd'hui, vous êtes quoi, en compétition? Aujourd'hui, non, on n'est pas vraiment. On a été en compétition l'année dernière, donc je l'ai été face à Margaret et Linda, et je peux dire que bon, Linda, ça a été toujours quelqu'un qui a été respectueuse, mais avec Margaret, ça a été toujours très dur parce que c'est une femme de caractère et qui a toujours le dernier mot, hein, donc ça a été rude au niveau des réunions. Et Tumata aujourd'hui, c'est quelque part une concurrente dans le sens où elle a une troupe de danse et que bon, ben, on participe au sein des spectacles dans les hôtels et tout, donc on se partage le marché. Mais ça restera toujours des femmes quelque part qui m'ont apporté beaucoup. Mais bon, ben, aujourd'hui on a Margaret, il y a une grande difficulté à communiquer toutes les deux. Il y a beaucoup d'animosité. Linda, au contraire, on est toujours en contact et tout se passe très bien. Et Tumata a cessé un peu de me parler au moment où on s'est séparés. Hein, le Tahiti et les grands ballets de Tahiti ont créé leur troupe. Donc là, il y a eu aussi de l'animosité. Mais au-delà de tout ça, vous savez, on passe l'éponge. Hein, les années sont courtes, il nous reste peu de temps à vivre aussi, donc on préfère profiter des moments, des plus plaisants. Et puis tout ce qui est affreux et tout ce qui est difficile, on laisse de côté. Alors ce IVA qui s'annonce, ce IVA 2010 s'annonce très différent. Mmh. Julien Maille parle d'un retour aux sources, d'une fête plus populaire. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense qu'actuellement, les gens sont blasés par l'ambiance politique qu'il y a, par la vie économique qui n'avance pas. Donc, nous-mêmes, nous souffrons, hein, les chefs de groupe. Et cette année, je n'ai pas décidé de participer tout simplement parce qu'avec ma maternité, j'ai préféré donner le temps à ma famille. Mais venir en exhibition, c'était beaucoup plus facile pour moi parce que je n'avais pas de paramètres là, de choses à faire selon un règlement. Donc j'avais plus de liberté et puis bon, mais là avec le IVA de cette année, je sens quelque part que les artistes sont blasés, sont fatigués. C'est pour ça que les troupes ne participent pas à ton avis. Oui, je pense qu'il y a ce sentiment où on a du mal à répéter parce que les gens se plaignent sans cesse. La population n'arrête pas de se plaindre, que ce soit pour les tournées, pour les emplacements. Donc je pense que c'est un tout, c'est le tout qui fait que les gens sont fatigués. Et aujourd'hui, s'il y a un malaise dans les inscriptions au niveau de la participation des groupes,
C'est tout simplement ben, parce que nous avons énormément de problèmes à régler. Et ça, on le sent, que ce soit financièrement, matériellement et puis humainement. Alors justement, le ministre dit que les communes pourront financer peut-être les troupes. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est possible, je dirais, je compte pas trop sur les communes parce que je suis une troupe qui n'a jamais réclamé une seule subvention pour un voyage ou pour quelle que soit l'opération. Hein. J'ai décidé à la création de mon groupe de me débrouiller par mes propres moyens. Mmh. Donc je pense que il ne faut pas tenter ce qui que ce soit, il faut se débrouiller. Et les communes, justement, sont des institutions qui sont difficiles, c'est lent, la démarche administrative elle est longue. Et puis dire aux communes de nous aider, oui, pour les autorisations, pour pouvoir nous permettre d'avoir plus de facilité à répéter, non, pour s'intégrer dans les groupes. Justement, là, on a pris quelques photos de Eva 2006 et Eva 2009. Bon, tes costumes sont toujours très impressionnants. Combien ça t'a coûté et comment tu as financé tout ça? Alors, généralement, un Eva me coûte entre 7 à 10 millions. Hein. Il faut compter la location de la salle, les costumes à payer, la location de la costumerie. Et après, il y a beaucoup de choses au niveau des matières premières qui sont très très chères. Hein. Pour ma part, on a une subvention qui nous est versée directement par l'établissement. Au-delà de ça, ça ne suffit pas. Donc, nous faisons des levées de fonds. Et pour ça, chaque élément doit vendre des produits, que ce soit de la nourriture, que ce soit un bal, que ce soit des tricots. Ils doivent participer à la vie financière. Il ne suffit pas que d'être danseur et participer à la vie artistique, mais ils doivent comprendre qu'il y a des aléas dans la constitution d'un groupe. Et qu'en sachant qu'ils doivent participer et qu'en gagnant de l'argent, ils payent indirectement ce costume pour ainsi le respecter quelque part. Hein. Et donc le travail est fait, c'est un travail sur 9 mois. Hein. On ne décide pas d'aller au et puis de se dire, allez, je vais me trouver 10 millions à la banque et puis voilà. Ça c'est un travail qui démarre dès le mois de décembre et donc chaque fois, on a au moins 6 levées de fonds. Orietta, ta petite fille, est-ce qu'elle suit le même chemin que toi? Oh, alors c'est une fille, oui, elle a 7 ans, c'est une fille qui ne tient pas en place, c'est une fille qui a l'affût de... Elle adore la danse, hein. Elle ne cesse de remuer, de chanter, elle ne cesse de se maquiller, donc c'est une artiste quelque part parce qu'elle est née en 2003. Et donc c'était l'année de la chèvre. Et la chèvre en 2003, à ce moment-là, ce sont des artistes. Donc j'ai bien l'impression qu'elle est partie pour être une artiste complète. Maintenant, dans sa manière d'être, elle est fière de moi, ça c'est clair. D'ailleurs, elle lui dit tout le temps, normalement, c'est tiens, les tempêtes. Mais au-delà de ça, je lui fais comprendre aussi que la première chose qu'elle doit faire, c'est bien travailler à l'école. Et lorsqu'elle aura les diplômes et qu'elle trouvera un bon travail, elle pourra faire ce qu'elle veut. Voilà. Mais c'est une super, super petite fille pleine d'énergie. Donc très très belle photo, c'était au Méridien. Est-ce que ça faisait partie du spectacle, Exactement, parce que c'était le thème sur la religion, sur le mouvement protestantisme qui était venu justement à Tahiti et l'armée de l'Évangile. Et donc j'avais voulu parler d'une chose qui avait été tabou chez les protestants, c'est parler de cette population de Mamaya qui avait été justement mise à l'écart, exilée parce qu'ils dansaient. Il faisait du théâtre et que c'était interdit à l'époque par les protestants. J'avais voulu parler de cette période-là. Ça n'a pas fonctionné au Heiva, c'est-à-dire le jury n'a pas totalement adhéré à l'idée d'avoir une Bible sur la scène. Mais j'estimais que c'était important et que bon, je sais qu'on est une société ici gérée quelque part par les jeux. Hein. Mais bon, il fallait en parler artistiquement. Pourquoi bannir une histoire, un sujet qui a été traité? Mais bon, ben, moi je trouve que c'était quelque chose d'important. Il fallait que les gens sachent que ben, la religion a provoqué quand même des dégâts. Hein, et que finalement, ben, aujourd'hui, on vit avec et puis on continue.